Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bah, je sais même pas si j'ai mis le micro, moi je discute. Bah, c'est bon, je l'ai mis. Non mais aujourd'hui c'est exceptionnel les amis, c'est exceptionnel. Il faut quand même dire que vous allez me dire ouais c'était Strasbourg, c'est une petite équipe. Ouais. Ça je vous vois déjà venir, c'est Strasbourg, ça y est, tout de suite des grands mots. C'est une petite équipe, ils sont nuls, ils sont presque les derniers du championnat, nanana, tout ça, ça. Non, c'est une équipe de foot, je vous stoppe. Strasbourg c'est une équipe de foot, il ne faut pas commencer à dire que c'est pour moi c'est comme si c'était, je sais pas moi. Rennes ou je sais pas, même Paris, hein. Pour moi c'est une équipe de foot, c'est des gens, c'est des humains qui jouent au foot. Donc vous voulez me dire pourquoi que ça y est, on a gagné 3-1, ça y est c'est la fin du monde. Non, mais on a joué, ils ont joué, hein, ils ont eu des occasions, mais voilà, ce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a eu un peu du bouillon dans la défense, et un peu de bouillon, etc. et tout, mais on a tenu le coup du côté lyonnais. On a tenu bien le coup, Lyon a bien tenu son match et a su jouer jusqu'à la fin. Après, vous allez me dire, ce but quand même, c'est une petite faute en fait. Tout le monde la connaît bien cette faute. C'est genre, tu vas centrer, le gars il enlève la main, ça touche, ça tape le ballon, le tape dessus. Ben, il y a pénalty. C'est pas le gars qui a cherché à... Tu tires sur la main du joueur, c'est normal, c'est pas de sa faute. Ben, après, c'est une petite faute bêtement, ça. C'est un pénalty bêtement. Après, on était déjà loin. Mais moi, j'ai aimé ce match. Il y avait la motivation. Là on fonçait. On y allait de partout. Tout le monde voulait rentrer. Et j'apprécie ce joueur exceptionnel. Non, mais là, il faut quand même que je souligne quand même les choses. Guimarães, quand même, c'est exceptionnel. Ce qu'il a voulu faire, une virgule, ce qu'il a... Bah, il me fait ça contre Paris. Là, je crois que j'ai les larmes. Il a fait une virgule. Non, mais celle-là, je ne l'ai pas ratée, celle-là, une virgule. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la surface, une virgule. Flouk, flouk. Comme moi, j'ai l'habitude. Comme moi, j'ai l'habitude de dire. Flouk, flouk, ça a fait seulement. Flouk, flouk, seulement. Flouk, flouk. Aïe. Non. Mais là, c'était un match exceptionnel. Bon, on va dire oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est Strasbourg. Mais quand même, là, on va commencer les choses sérieuses. On va jouer l'Europa League, puisque l'Europa League va commencer, bien sûr. Donc, il faut commencer à se chauffer, se chercher et tout, foncer. Et là, j'ai aimé, puisque tout le monde était à fond, tout le monde avait envie de bien faire. Et Boateng, il est rentré, et voilà. Quoi. Il y avait Shaqiri qui était là, qui a fait son premier match, Boateng aussi. Et c'était bien. Franchement, moi, je dis que tout le monde a bien joué, tout le monde avait envie de jouer, d'y rentrer. C'est pas qu'on faisait le tour du stade comme on a l'habitude de faire des passes comme ça, faire des passes pendant un quart d'heure, une heure. Non, là, on rentrait. J'ai l'impression, l'entraîneur Poch, je pense qu'il les a mis des aigus dans les fesses parce qu'ils étaient tous en train de courir, comme ça. Là, c'était, ils avaient des aiguilles, en fait. Ça c'est bien, ça, par exemple. T'achètes des aiguilles, tu prends des aiguilles, tu mets dans chaque fesse de joueur des aiguilles. Comme ça, au moins de sûr, ils vont avoir tellement mal qu'ils vont courir vite. Courir, c'est quoi ça? Et voilà, ça c'est bien. Dembélé il a marqué, Demeré il a marqué. Bon, non, mais là c'est. Non, mais c'est bien. Pour moi, je pense que c'est un match à retenir, c'est qu'il y avait l'envie, il y avait la motivation. Après, tout le monde a joué, tout le monde a joué comme il a l'habitude de jouer. Shaqiri c'était son premier match. Bon, il a joué, il a fait des belles passes décisives, etc. Tout le monde a joué, il y avait l'envie. Moi j'ai aimé l'envie, c'est très important. Maintenant, comme vous avez vu, on va jouer la Coupe d'Europe. Et là, c'est parti, les choses sérieuses commencent. Avant d'attaquer le gros match que vous attendez tous, là, à Paris, ils vont venir. Bon, on va jouer contre Paris. Et puis, bon, après, moi, contre Paris, moi, j'aimerais juste un match nul. Hein. Je ne vais pas commencer à faire le gourmand, dire qu'on va battre Paris. Parce que là, vous savez que la situation là où elle est, Paris, c'est des tueurs. En ce moment, ils sont en train d'éjecter tout le monde dans leur passage. Donc, je pense qu'on va. On va écouter, parce que là, je pense qu'on va y passer, nous aussi, comme toutes les équipes. Moi, j'y crois pas. Je pense pas que Lyon va battre Paris. Je vais pas commencer à arriver quand même. Non, je n'arrive pas.
là où il y a des Mbappé, ils sont chauds, alors ils vont nous mettre Neymar, ils vont nous mettre tout le taquet, et puis ils vont nous mettre peut-être un 3-4-0, je sais pas, j'espère juste pas que Lyon prend pas un 6-0, des trucs comme ça. Après, dès qu'on a passé le tonnerre de Paris, bon, les autres matchs, il faut qu'on se remonte au taquet pour essayer au moins de choper et remonter à la troisième place, c'est très important, la quatrième place, c'est important. Mais là, on est bien parti, tout se passe bien. J'ai aimé, Shaqiri a fait son match, Paqueta il est venu, il a fait son match, tranquille, ça s'est bien passé, nickel. Paqueta il a voulu faire une petite papinette, une petite pochette là. En rentrant, il est rentré, et il n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup de ballons, hein, Paqueta. Et il a marqué son but tranquille, voilà, il est allé voir les supporters, remercier, tout ça, nickel, ça s'est bien passé. Donc moi je pense que potentiellement et qualitément même, avec la qualité de jeu qu'on a, non, vous n'allez pas me dire que Lyon va finir 10e, 18e, avec ça, là. Avec tous les joueurs qu'on a, là, vous pensez que Lyon va finir 20e, c'est ça? Ben non, c'est impossible. Là, on a l'équipe, là, c'est bon, on est prêt maintenant, on est bien, mais il faut que jusque dans tous les matchs, en fait, tout ce qu'il faut que l'entraîneur lyonnais, Peter Bosz, il faut qu'il, tout simplement, qu'il achète des aiguilles, c'est tout. Tout simplement, moi, c'est tout ce que je vois, hein. Il faut qu'il achète des aiguilles et dans chaque match, il prépare les aiguilles. Celui-là qui joue pas, il pique une aiguille dans les fesses pour qu'ils vont courir. Comme ça, là, c'est bon. Là, je pense qu'il les a piquées, il a acheté les aiguilles. Chacun, il a piqué tout le monde. Ils couraient comme des TGV, en fait. Ils couraient, ils étaient tous à fond. Il n'y en a pas un qui, même Ryan Shaqiri, et lui, il est rentré, il faisait ses petites virgules, il était à fond, lui aussi, il est rentré dedans, il est à fond. Donc, non, mais là, je pense que là, on a l'équipe qui va potentiellement être dans les 5 premiers. Là, il ne faut pas dire que Lyon, ils vont finir 9e. Là, je ne crois pas, 9e, 10e, 18e, non, arrêtez. Là, je vous stoppe. Là, nos places, là, c'est les 5 premières places, voire les 6 premières places. Mais c'est en haut, c'est là qu'on va jouer. Moi, je suis content, je suis quand même content de cette prestation. Là, c'est bien, Lyon a bien joué. Notre Boateng, il est venu, il a fait son match tranquille. Il a fait une faute, certes, oui. Il a des soucis avec sa femme et tout, c'est vrai. On va pas rentrer dans les problèmes familiales. Il était bien, il a bien fait son match. C'est vrai que quand je rentre, je vois tout ce qui se passe et tout, et tout ce que je vois à l'actualité. C'est vrai que je suis l'actualité des joueurs un peu. Mais je vous en parle pas trop, mais j'ai vu que l'actualité entre Boateng et son épouse, ça se passe pas très bien. Enfin, cela ne regarde pas. Je vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qu'on veut, c'est que quand il va dans le terrain à Lyon, qu'il joue et qu'il fait tout ce qu'il y a à faire, même qu'il stoppe tout le monde, qu'il n'y a rien qui passe. Et là, il a fait son match tranquille. Tout le monde a bien joué dans l'ensemble. Le gardien, il a bien joué. Mais on a failli prendre un but quand même. J'ai annoté ça. Moi, j'ai eu un peu peur. Je sais pas pour vous, mais moi, à un certain moment, j'ai commencé à dire, ah, on est limite. Mais après ça va, ils se sont redonnés, mais c'est vrai que quand on a la chance, il faut profiter. Hein. Parce que contre Paris, je ne sais pas si on va pouvoir faire au moins, serait-ce qu'un match nul, ce sera déjà pas mal. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et pour finir la vidéo les amis, puisque je pense qu'il y en a qui n'ont pas fini la vidéo. Et je voulais vous montrer ce maillot là, ce maillot de Lyon là, ça va être mon nouveau maillot que je veux... Je vais vous faire découvrir mon nouveau maillot. Bon, allez, je vous le fais découvrir aujourd'hui. Je ne vais pas chercher à trop discuter. Les amis, regardez mon nouveau maillot. C'est un maillot qui aurait pu être commercialisé à l'Olympique Lyonnais. Parce que vraiment, ce maillot, il est bien. Franchement, il est bien. Regardez. Il est nickel. C'est un maillot de l'Olympique Lyonnais. Très, très, très beau. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est le nouveau maillot maintenant que vous allez me voir avec. Maintenant, pour cet hiver, je vais mettre celui-là. C'est une taille L. Franchement, il est bien. Regardez. Regardez. Vous voyez bien le lion. Comme ça. Et il est très, très beau ce maillot. Franchement. C'est dommage qu'il n'est pas en jeu commercialisé. Et qu'il n'est pas dans le championnat de France. Mais franchement, c'est le maillot qu'il fallait de cette année. Donc voilà. Moi, je voulais juste vous montrer mon maillot. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Et puis voilà. Moi, je suis content. Savourez cette victoire.